Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jolin. Aujourd'hui, c'est samedi 3 avril 2021. Nous disons merci à tous les amis, toutes fanatiques, quel que soit côté ou à côté. Namonsa, bienvenue sur Haitian Public Media. Si c'était pour la première fois que vous trouvez HPM, nous encourageons à venir membre. Très facile, en bas là, il y a un bouton qui marque subscribe, en cliquant sur lui. Bon côté, il y a une cloche, choisis cloche là, afin que chaque fois de monter, vous ap connaît. Nous encourageons à remettre la vidéo, à faire commentaire et partager la chaîne avec amis et famille si vous pensez à bénéficier. En 2014, la Russie entrée dans le pays Ukraine et yo annexe ou bien prend un parti dans le pays ça. Et c'était un succès, une victoire, surtout pour le président russe, M. Poutine. À cause de goût ça que M. Poutine li prend dans bouche li, eh bien, li senti qu'il y a une force qu'on y a là pour l'avancer, pour le prendre l'autre zone toujours. Y a une situation qui a développé qu'on y a là derrière là, qui tout près a devenu une guerre et une crise mondiale que le monde a essayé d'éviter. Semaine ça là, nous te connaissons que la Russie te gagne en pile soldats qui t'a rassemblé tout près frontière Ukraine. Et monde international là te dit que yo pas d'accord, yo pas remet action ça qu'a fait là. Et yo te en un sens condamné bagay ça qu'a déroulé derrière là. Les États-Unis fait déclaration, NATO fait déclaration avec en pile l'autre pays, l'Ouest surtout. Il fait déclaration condamné bagay sa qui ouè kap passé là en Ukraine. Eh bien, hier soir, M. Vladimir Poutine, qui est président russe, avec porte-parole, li, c'est M. Dmitry Peskov, il fait déclaration qu'on y a là qui semblait bagay la vin prenyon lot tension. Monsieur Dmitry Peskov, qui se porte-parole pour Vladimir Poutine, déclaré: si par hasard, tu as gagné n'importe action par NATO, avec dit que force NATO, si tu as décidé puis tu as avancé en direction de l'Ukraine, en un sens, puis tu essayer protéger l'Ukraine, ça, il va le transformer. Bagay sa kap déroulé là, nan yon lot tension, nan yon lot niveau. Li fait comprendre que la Russie pou al décide pou le prendre toute action qu'elle capable prendre pour protéger intérêt et sécurité et li capable arriver dans yon condition que le monde pa ta vle wè. Ça c'est déclaration que la Russie fait hier soir. Pendant ce temps, NATO, les États-Unis, avec un pilote allié de l'Ouest, ont décidé pour protéger l'Ukraine avec toute puissance qu'ils ont gagné. Parce que selon eux-mêmes, action et activité qu'ils ont fait là, qu'on y a là, dans la frontière entre la Russie et l'Ukraine, c'est un bagage qui pourrait vraiment difficile pour défendre. Parce que la Russie a accumulé en pile soldat dans zone nan semble que son attaque il va le faire. Monsieur Lloyd Austin, qui est général l'armée des États-Unis, il était parlé avec président Zelensky dans Ukraine. Il fait comprendre que les États-Unis prêts et yo offri tout support yo pour capable défendre territoire et intégrité Ukraine en cas que la Russie t'a voulu essayer pour venir attaquer. NATO avec toute force NATO yo campé et tout pays qui fait partie de NATO aussi d'accord en cas que la Russie t'a envahi Ukraine ou bien t'a fait des actions pour entrer dans pays Ukraine pour que yo tout prêt pour paraître sous la direction des États-Unis. Puis elle défend le pays ça
parce qu'il n'y a pas jamais laissé la Russie contrôler l'Ukraine. Joe Biden, bon côté parle, qui a peine paraît sous pouvoir, il n'a pas espéré ces bagages ça qu'il n'a pas recevoir. Mais malheureusement, le monde est chaud, il est tête en bas. Tout pays veut prendre un parti dans la zone pour eux-mêmes. La Russie sentit qu'il y a un avantage qu'on y a là. Il voulait avancer pour le capable prendre zone ça, même gens qu'il te prend Crimea. Mais dans cette situation, il va petit du tout. Malgré nous pas attendre l'empile, mais sous garder dans fond de page des journal qui gagnent dans le monde, bagay ça, il pas petit. Il a pas avancé avec un gros force pour le capable tourner une guerre derrière là. En pile moun kap examine situation, et moi-même kap gade sa kap passe là, moi senti que genyen yon complot ou bien yon agrément entre la Chine, la Russie, Corée du Nord et Iran pour capable déclencher multiples de guerres à la fois. Pour que yo capable réduire puissance des États-Unis parce qu'il pas capable bataille avec tout le monde ça à la fois. Pour qui ça me dit ça? Hier soir encore, la Chine voyait plusieurs avions de guerre en direction de Taïwan. Avec un pilote bateau qui situé tout près de la mer. Côté que selon ça qui fait comprendre, la Chine a intention aussi pour envahir Taïwan pour le prendre pour lui-même. Taïwan aussi, c'est un ami des États-Unis. Les États-Unis te promettent aussi qu'ils pourraient protéger Taïwan avec toute puissance qu'ils gagnent. Ça, c'est un deuxième. Je vais expliquer une situation qui a développé dans la Corée du Nord. Côté que Corée du Nord a préparé pour lancer des missiles nucléaires, il y a un bagage qui a gagné l'inquiétude dans tout le monde qui est dans la zone. La Chine et la Russie, yon derrière action qu'a fait dans Corée du Nord, ou capable que situation commence vraiment compliquée. Iran, de fait qu'on est que la Chine entre en Iran et yon formé un accord militaire et économique pour capable bypass ou bien traverser sanctions que les États-Unis mettaient sous pays ça. Afin que yo capable augmenter puissance militaire yo en violation avec loi et agrément qui passait entre les pays. Ou gagnent la Russie cap attaquer Ukraine, les États-Unis pas un choix, faut la défendre yo. Ça va prendre ressources, soldats avec l'argent. Ou gagnent la Russie, ou gagnent la Chine qui veut attaquer Taïwan. Les États-Unis pas un choix, faut la défendre yo, la prend soldats, zam, avion, l'argent, ressources. Ou gen Corée du Nord ensemble avec la Chine et aussi la Russie qui a poussé pour attaquer Corée du Sud, c'est là qui gagne tout intérêt les États-Unis. Ça aussi a mandé l'argent, ressources, zam avec tout l'autre bagage qui ont gagné. Et en cas que Iran t'a entré dans le cadre là aussi, ou pas le ouais côté que les États-Unis pas bien assez force surtout dans le moment ça, côté que tout bagage ça passe à la fois. Pour ta défendre tout territoire sa yo, et même côté arrêté relevant et prend soin pays. Je suspecte que c'est une tactique que ces grandes puissances là a essayé appliquer, mettre des pressions tout côté sur les États-Unis pour que li pa gen choix, mais c'est pour le retraite, ça veut dire que retire col dans stage là afin que la Chine capable prend contrôle. Mais c'est pas seulement ça qu'on l'autre gros bagage encore cap dérouler dire là. Malgré que la Chine et la Russie ont un accord qu'on y a là pour aller contre grande puissance des États-Unis. Mais selon ça expert cap garder bagage fait comprendre, yo fait comprendre que la Russie il est pas 100% avec la Chine dans bagage ça yo parce que lui même tout il gain propre ambition parle. Nous songer que me défend qu'on aime pas contre si nous songer jeune passé à côté que la Russie et la Chine yo té maré quoi yo ensemble. Pour être capable de créer ça qui est un accord dans l'espace. La Russie décide pour retirer col dans le programme qui est gagné avec les États-Unis pour
la fait NASA. Parce que NASA lui-même, c'est lui-même qui est le plus gros programme, Space Programme, pour les États-Unis. La Russie, c'est un membre qui te fait partie du programme ça pour aller dans l'espace. Mais semblait que depuis que Joe Biden finit monté, parce que l'ancien président des États-Unis, Trump, lui parle encore, la Russie sentit qu'elle perdit en aller dans les États-Unis, qu'on y a là, elle allait la joindre la Russie, et qu'on y a là, la Russie avec la Chine créé une amitié, et y a préparé ensemble pour y faire programme espace là. Mais ça, regardez là, c'est un missile d'espace, c'est pour ça, c'est pour la Russie qu'elle y est. Je vais comprendre que la Russie a aussi travaillé en dehors de la Chine pour les capables d'explorer l'espace sans que même les va faire la Chine connaît. Malgré que lui-même avec la Chine, il y a travail pour être capable d'aller dans l'espace ensemble, mais semblait aussi la Russie a un autre plan à côté de la Chine parce qu'il n'est pas vraiment pour faire la Chine confiance 100% dans le travail qu'il a fait. Situation ça, mesdames et messieurs, n'est pas facile. C'est difficile pour le monde dans le moment ça. Si nous voulons retourner dans la situation qui a développé dans l'Ukraine, mais ça a passé là. En 2014, lorsque la Russie était entrée dans l'Ukraine, c'était l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui était sous pouvoir. Ce n'est pas deux mondes qui étaient morts. La Russie est entrée, les batailles, en pile sans couler, les points de contrôle de Crimée. Et après ça, il fait un référendum, demande au peuple est-ce qu'il est d'accord pour yo annexe Crimée, faire partie de la Chine, la Russie. Peuple là, selon ça qu'il dit, accepté. Et c'est cependant partie de ça qui appartient à l'Ukraine, qu'on a là, il appartient à la Russie, la Russie prend. Mais songez bien, pas de gagner en pile résistance qui était faite contre la Russie pour action ça. Le monde était fâché, c'est vrai. Il mettait sanctions contre la Russie, mais elle pas assez pour vraiment punir la Russie pour action ça. La Russie qu'on y a la gardé succès du bagay ça parce que nous songez lorsque Vladimir Poutine était paraître pour la première fois dans Crimée, c'était avec fanfare qui était recevoir. Et bien qu'on y a là yeux li fixés sur pigou terre qu'on y a là, c'est Ukraine. Et qu'on y a là, à cause du président ukrainien, qu'il pensait qu'il capable de dominer, la fait des actions ceci, pour capable d'intimider le président, pour capable d'accord pour entrer en alliance avec lui. Parce qu'on connaît, l'Ukraine est plus proche des pays de l'Ouest, parce que c'est un pays qui a bataille pour une démocratie. Et nous connaît, démocratie, ce n'est pas un bagage qui a réussi, il est en zone, non. Dans le sens ça, tout petit pays qui a essayé de faire expérience démocratie, la Russie a essayé d'écraser. Qu'on y a là, les États-Unis qui voulaient implémenter la démocratie dans le pays, ça, il n'y a pas de choix, il faut protéger le pays. Ça. Mais on nous parle, après 6 ans d'annexation, presque 7 ans, comment la vie dans le pays, en parlant de Crimée? Eh bien, c'est ça qu'on entend. Bagay yo pas bon du tout. Il faut comprendre que le prix de la manger dans le pays a augmenté. Pas de travail. Et puis, gros problème qui a gagné, c'est la liberté qui a perdu. Pas de liberté qui a là dans Crimée. Côté que, ou pas capable de parler. Parce que même interview pour journaliste fait avec un seul démon dans Crimée sans cachette qui a fait. Parce que depuis que la Chine, depuis que la Russie entre dans le pays, ils imposent un genre de système côté que journaliste pas de liberté, j'en pense. Ça, c'est la liberté qui disparaît. Lorsque vous gagnez un pays, tant que là ici qui entre, qui prend drôle dans une zone. Quand vous avez la moune, vous pouvez parler sans batap, vous pouvez parler en bas cabane, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas capable de parler normalement parce que là ici, il est dans une zone. Ça montre que la situation est vraiment changée pour vous. Vous faites comprendre qu'un pile monde dans le pays a commencé à regretter du fait que la Russie est entrée. Mais est-ce qu'il est possible pour vous retourner Crimée back à Ukraine? Le monde a poussé pour choisir ça. On peut me demander pour le fait. Mais il n'est pas facile pour le fait. Parce que la Russie rend le difficile pour le fait. Donc, au cas où, lorsque vous avez demandé pour une puissance entrer la caillou, l'entrée, bagaille qui n'a pas même gens qui étaient avant. Parce que quand on a la zone, c'est une fin qu'on est, grand goût, il y a un pile grand goût dans le pays Crimée. Manger vin pichet.
Mais on bagay qui est bribe. Bribe, c'est le coup de moun l'argent pour le faire un bagay pour. Même ça vient augmenter. Vous faites comprendre qu'on y a là pour payer un moun. Pour le bon, c'est des faveurs dans le gouvernement. L'argent vient picher. Donc, liberté que la Russie te promet à Crimea, c'est pas ça qu'elle joigne. Liberté a sauté, démocratie a mouru, et qu'on y a là, yon en bas, yon dictatorship, et yon en grand goût. Mais pour l'Ukraine, ça c'est un autre bagaille. Nous pensons que avec puissance des États-Unis, puissance force NATO, malgré que la Russie li fait menace semaine ça hier soir sur tout le palais, il dit n'importe, attendez bien oui, n'importe action qui t'a essayé faite pour ta entrée dans l'Ukraine, li poil augmenter tension et c'est possible bagaille ça capable arriver à une guerre dans zone là. Ça veut dire que nous rentrer la caillou n'a prêté là n'est pas le monde qui t'a venir essayer pour protéger ou. Eh bien c'est la guerre pour le fait. La Russie sentit que seule façon qu'on y a là pour commencer gagner augmentation territoire avec puissance c'est annexe et prend toute petite zone pays qui sous côté lui. Et la Chine lui-même tout, lui voulait passer même pile pour en Taïwan avec Hong Kong. Hong Kong déjà dans le pays la Chine déjà. Mais il voulait contrôler les gens qui ont gouverné. Et Corée du Nord, avec force, la Chine et la Russie, plan yo aussi, c'est mettre les yeux sur le pays riche qui Corée du Sud, qui tout près Corée du Nord. Nous pourrons rencontrer avec Fritz Lalanne dans quelques minutes pour nous capables planifier pour Pita parce que quand pile bagage qui passe en Haïti nous connaissons, Haïti est en bas. Mais pendant ce temps, Abdou passe un bon après-midi. Donc moi c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Na wapita. Bye bye.